coopératif pour les plus petits, un jeu donc de 3 à 7 ans. Il s'agit de Plouf Canard, un jeu de Gigamic. Alors le jeu Plouf Canard, c'est très très sympa. Donc c'est un jeu coopératif qui se joue en famille. Vous allez avoir, ce qui est bien, c'est que c'est la boîte qui devient le plateau de jeu. Vous allez avoir des petits personnages, des canards, donc la maman canard avec ses canetons. Et le but est de rejoindre la mare avant que le soleil atteigne les nuages. Donc c'est vraiment très très sympa. Vous allez donc avoir le plateau qui se pose directement sur la boîte, comme ceci. Vous allez avoir le soleil qui va venir juste là. On va placer donc le soleil au départ qui est juste ici, sur la case de départ. Et le but, bien sûr, c'est qu'il n'atteigne pas les nuages ici. Donc la maman canard, elle est là avec ses petits canetons. Vous allez avoir des petites cases à disposer ici. Donc il y a deux façons de jouer en fait. La façon, c'est juste le niveau de difficulté qui est différent en fonction de la couleur que vous allez mettre des jetons. Il faut juste mettre la même couleur sur tout le même parcours. Donc le petit parcours de jeu, il est là. On les met au hasard. Voilà, comme ceci. On va avoir un joli petit dé en bois donc qu'on va lancer, qui va nous indiquer le déplacement qu'on peut faire. Donc on peut aller sur la cerise, sur le champignon, on peut aller sur la fleur. On peut aussi avancer d'une case comme on le souhaite, le personnage qu'on souhaite. Mais attention, si vous tombez sur le soleil, on avance le soleil d'une case comme ceci. Le but, bien sûr, c'est qu'il n'arrive pas jusqu'ici avant que nous, on ait mis tous nos canards dans la mare. Donc là, le but, c'est d'avancer. Donc là, par exemple, je suis tombée sur la petite cerise. J'avance donc la maman canard sur la première cerise. Le joueur d'après joue. Là, par exemple, il tombe sur la fleur. Attention, les bébés canards ne peuvent jamais être devant la maman canard. Ils sont toujours derrière. Donc là, par exemple, il aurait fallu avancer encore la maman canard. La fleur. Donc là, pareil, on ne peut pas avancer. On avance la maman canard. Là, on tombe sur le petit ver de terre, c'est je passe mon tour. Le petit canard, il va manger son ver de terre. Là, c'est on avance le canard d'une case, ainsi de suite. Le but étant donc d'emmener le personnage, donc la maman canard, dans la mare. Puis après, d'emmener aussi les autres personnages dans la mare, juste ici. Le suivant et le petit dernier. Vous avez remporté la partie si vous avez réussi à mettre la maman et ses bébés canards dans la mare avant que le soleil ait atteint les nuages. Donc c'est une partie très très courte qui sont très très bien pour les jeunes enfants. Donc c'est de 3 à 7 ans. C'est très sympa, c'est ludique. C'est le premier petit jeu à jouer avec vos enfants. Un jeu coopératif, on gagne ensemble. Donc ça, je trouve ça très très sympa. Un jeu de très belle qualité, vraiment. En plus, c'est le plateau qui est de la boîte de jeu qui devient le plateau. Je trouve ça très très sympa. Il s'agit donc de Plouf Canard, un jeu de Gigamic que je vous parle plus en détail sur le blog. Je vous dis à revoir.